Eh ben go pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai déjà commencé les lectures mais j'avais vraiment pas eu le temps de sortir ma caméra avant là maintenant. Si jamais il existe encore des gens qui ne savent pas de quoi je parle du challenge organisé par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze, où il s'agit de lire des livres en rapport avec l'automne en respectant certaines catégories et certains mots-clés. Je vais pas détailler chaque menu et chaque catégorie ici, je mettrai peut-être un bout d'image du menu pour que vous sachiez de quoi je parle. Je vais juste dire quels mots-clés en gros j'ai utilisé pour chaque lecture. Déjà pour pas moi personnellement perdre trop de temps, et aussi pour les gens qui ont déjà regardé 63 vidéos de PAL de Pumpkin Autumn Challenge et qui connaissaient les trucs par cœur et qui en ont vraiment ras la pomponnette quoi. Donc pour le premier menu et la première catégorie, j'ai pris le mot-clé enquête. Il y avait tout un truc, enfin en fait c'est une catégorie où les mots-clés me parlaient vachement exorcisme, chasseur de fantômes, possession. Mais en fait en regardant dans ma pile à lire, j'avais pas trop ça et je voulais absolument continuer la saga de l'inspecteur Adamsberg de Fred Vargas. Et j'en suis au tome 4, donc je l'ai sorti sous les vents de Neptune, donc j'ai gardé le mot-clé enquête. Puisqu'en fait on suit Adamsberg, cet inspecteur un petit peu genre hyper lunaire, hyper lié à son instinct, un personnage un peu fantasque. Qui résout des enquêtes puisque c'est son métier, avec son acolyte d'Anglard qui lui est un homme très terre à terre avec un petit penchant pour la bouteille, un personnage auquel je m'accroche pas mal. J'ai vraiment hâte d'en découvrir plus, je dis ça depuis le premier tome, on est au tome 4, j'espère que ce personnage sera un peu plus dévoilé. Je l'ai commencé, j'en suis vraiment au tout début, mais septembre déjà si j'arrive à lire ce livre là, ça sera déjà super quoi. Ah oui, j'ai sélectionné un livre par catégorie, c'est à dire 12 livres voire peut-être même 13, je crois que j'ai rajouté un livre un peu bonus. Bien sûr, je ne lirai pas tout ça, hein. C'est une évidence. Par contre, j'espère ne pas trop aller piocher en dehors de cette pile à lire. J'ai bon espoir vraiment de rester fidèle à ce que j'ai choisi à la base. Donc pour la deuxième, il fallait trouver une couverture avec un visage sinistre et je ressors, comme depuis genre 4 ans pour ce challenge, Le Château d'Edouard Carret. Je le mets chaque année et je ne le lis jamais et je sais pas pourquoi. Donc vous voyez, on voit tout de suite sur la couverture qu'il y a une ambiance un peu spéciale. On suit un jeune garçon de 15 ans qui parle à des objets. Non, entend les objets parler, c'est un truc de famille. Et puis un jour, il y a un objet qui disparaît. Et bon, des trucs un peu mystérieux, mais un petit peu... j'ai l'impression aussi que c'est un peu loufoque. Enfin, j'en sais rien, puisque ça fait 4 ans que je le repousse et que je le lis pas. Et enfin, pour finir ce menu, j'ai choisi... Ah, c'est là que je me suis rajouté un livre bonus. Il fallait lire un livre avec les mots-clés suivants, soit historique, drame, biographie, mémoire ou frère et sœur. Donc j'ai choisi de sortir La mer noire dans les grands lacs d'Annie Lulu, où elle parle de ses racines avec le Congo, le pays de son père. Voilà, c'est ça qu'elle n'a jamais connu. Et qu'elle se sent nulle part à sa place. On est vraiment sur une question d'origine, de pays, de quête d'identité. Donc franchement, avec biographie, mémoire, histoire, enfin j'ai trouvé que ça collait bien. Et j'ai rajouté un autre livre du coup dans cette catégorie en voyant les piles à lire des autres personnes, avec Les Danseurs de l'Aube de Marie Charelle. Donc là ça colle encore mieux parce qu'on est sur un drame historique. On peut dire qu'il y a quand même un truc de mémoire puisqu'on parle de la Seconde Guerre mondiale. Et en plus ça parle de frères et sœurs, donc autant te dire que ça coche genre toutes les cases. Et du coup derrière c'est écrit « Année 30, après avoir fui la Révolution russe, les jumeaux Sylvine et Maria Rubinstein se découvrent un talent fulgurant pour le flamenco. Varsovie, Berlin, New York, ça y est je lis en diagonale tu sais. Les jumeaux sont séparés pendant la guerre et Sylvine ira jusqu'à se glisser dans la peau d'une femme. Et c'est ainsi travesti qu'il s'engage dans la résistance pour lutter contre les nazis. J'ai trop hâte. J'avais déjà lu le tout début, le prologue, et l'écriture était mais un délice. Pour le deuxième menu, j'ai choisi d'abord de mettre La Villa aux étoffes de Anne Jacobs. J'avais trouvé ce tome 1 chez Emmaüs pour 1€ et comme j'en avais vraiment entendu parler, je m'étais dit allez, mets-le dans la pile à lire en le laissant traîner des années. Et en regardant derrière, là, je vois quoi? Augsbourg, automne 1913. Tac, j'ai arrêté de lire le résumé. Ça se passe en automne et c'est un des mots-clés. Je vous ai même pas dit les mots-clés. Automne, Halloween, Samhain. Et donc du coup, bah super, voilà, qu'est-ce que je te dis. Pour la catégorie d'après, les mots-clés c'était forêt, récolte, poison et petit peuple. Alors moi, tout ce qui est petit peuple, en général, ça me parle pas énormément. Mais j'ai dans ma pile à lire Dans la forêt. Donc je pense qu'on ne peut pas plus coller au thème de la forêt. C'est le titre, c'est la couverture, c'est le thème. Ah mais je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas une catégorie qui est vide.
Et je crois que ça collerait aussi. On suit deux jeunes filles qui vont voir la civilisation s'effondrer et elles vont devoir se retrouver seules à survivre dans la forêt. Donc il paraît que c'est très puissant comme livre. Pour la catégorie d'après, il y avait plein de mots-clés. Genre dark fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, tout ça, tout ça. Et du coup, j'ai glissé mon petit épouvanteur de l'automne. J'en lis ri. Bon, les mouches là, c'est une blague ou quoi ? J'ai donc glissé mon petit épouvanteur que je lis régulièrement et au moins un à l'automne, ça c'est sûr. En vrai, je l'ai déjà lu. Lumière, obscurité, c'est l'histoire d'un jeune apprenti épouvanteur qui combat les créatures de l'obscur. Donc ça colle. Et puis de toute façon, ça colle parfaitement à l'ambiance de l'automne. À un moment, s'il y a une saga un peu jeunesse, parce que c'est une saga jeunesse, qui est dans l'ambiance Halloween, automnale, tout ça, c'est celle-là. Je veux dire, je pense pas qu'on puisse trouver mieux. Et enfin, il fallait un livre avec les mots-clés conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. J'ai juste sélectionné sorcière parce que je compte bien avancer dans la saga des bannis et des proscrits. Il faut que je lise le tome 4, je crois. Oui, c'est ça. Le tome 4. Donc, c'est une saga, j'avais commencé déjà il y a 2-3 ans, je crois. Et j'ai lu le 2 et 3 cette année et j'ai envie de lire le 4 et si je me chauffe, peut-être bien, même le 5. On est vraiment dans une voilà, quête, une sorcière qui se découvre des pouvoirs, qui va devoir mener une quête, qui est accompagnée de plein de compagnons. Vraiment, toutes les cases de la fantasy comme ça, un peu cliché, sont cochées dans ce livre. Mais je passe un bon moment, donc je continue. Et pour la première lecture, il faut lire une duologie complète, ou en commencer une, ou en finir une. Et c'est là que ça part en triche, car je ne vais... Enfin, le seul thème de cette catégorie, c'est la duologie, et je ne vais pas lire une duologie, mais je vais lire un tome 2. Donc j'ai pris le tome 2 de Blackwater. Voilà, est-ce que j'ai besoin de parler de ce livre comme si vous ne l'aviez jamais vu ? Je ne pense pas. Donc j'avais lu le tome 1, j'avais été... Oui, c'était pas mal. J'avoue, j'ai pas été emballée de folie, mais je continue. Et j'ai bon espoir, par contre, de plus accrocher par la suite. Parce que ce que j'avais à reprocher un petit peu au premier tome, eh ben, il y a moyen que ça soit gommé avec le temps. Donc, ça, je suis quasiment sûre que je vais le lire pendant l'automne. Ensuite, il fallait lire un livre avec de l'humour, un livre audio, une série audio ou un podcast. Donc là, pour le livre audio... Tu sais, je t'avais dit que j'avais essayé Next Story, machin. Évidemment, comme à chaque fois que j'essaye un truc juste pour avoir le truc d'essai, j'ai oublié de me désabonner. Du coup, j'ai payé le mois d'après. Donc, j'ai pris en livre audio Brexit Romance parce que je l'avais dans ma pile à lire. Je me suis dit, au moins, ça fera baisser ma pile à lire. Donc, j'avoue que je l'écoute pas trop. C'est de Clémentine Beauvais. Mais bon, je me dis sur 3 mois, je vais bien l'avoir lu. Donc voilà pour le livre audio. Et j'ai mis 2 livres, puisque dans Humour, j'ai mis celui-ci. C'est le seul livre qui ne soit pas un roman, je pense. Oui, c'est ça, que j'ai mis dans ma sélection. C'est Faut pas prendre les cons pour des gens, d'Emmanuel Rezé et Nicolas Rouault. Et en fait, on me l'a prêté, donc je peux pas trop en parler, je sais pas trop. Mais bon, au vu du titre, je pense que ça peut rentrer dans la catégorie humour. Il fallait pour la catégorie suivante un livre avec les mots-clés nourriture, enfance, famille, transmission et plaisir non coupable. Et dans ma bibliothèque, j'avais ce livre, clairement aux couleurs de l'automne. Je ne sais pas de quoi ça parle et je me suis dit, il faut que je le case. Donc j'ai lu le résumé. Une île sur la Dordogne, un monde aquatique, poétique et mystérieux, propice aux rêves, un refuge. C'est là que vivent Bastien et sa famille. Et je me suis juste accrochée là-dessus, clairement. L'eau et la rivière sont leur univers, un paradis qui les a fait vivre et les enchante jour après jour. Mais si la guerre ne parvient pas à en briser l'harmonie, tout se dissout pourtant peu à peu, sauf le souvenir du bonheur de l'enfance éternelle. Donc comme il y avait là le côté enfance et famille, j'ai trouvé que ça collait quand même. Donc voilà. Je pense que ça a l'air très doux et ça va être lu très vite. Il y a moyen que si j'ai un petit coup de mou, je le sorte. Bon, c'est un menu où parfois j'ai un peu abusé, un peu trichouillé. Pour cette catégorie, il y avait mythes et légendes, voyage dans le temps et dépaysement. Et j'ai utilisé le mot-clé voyage dans le temps, mais pas au premier degré, parce que j'ai sorti toutes les histoires d'amour du monde de Baptiste Beaulieu. Lorsqu'il découvre dans une vieille malle 3 carnets renfermant des lettres d'amour, le père de Jean sombre dans une profonde mélancolie. Jean, lui, tombe des nues. Moïse, son grand-père, y raconte l'histoire de sa vie. Plus incroyable encore, Moïse écrit son récit à une inconnue, Annelise Schmitt,
qui est cette femme et surtout qui était-elle pour Moïse. Donc tu vois, voyage dans le temps avec ce personnage principal qui va remonter à l'époque de son grand-père à travers une correspondance a priori d'amour. Franchement, ça passe et je suis trop contente de sortir Baptiste Beaulieu parce que... De sortir Baptiste Beaulieu. On dirait que je vais aller me promener avec l'auteur, quoi. Je suis trop contente de sortir de ma pile à lire un livre de Baptiste Beaulieu puisque j'avais lu mon premier livre de cet auteur l'année dernière et j'avais bien apprécié, donc je suis très contente de le découvrir à nouveau. Il faut d'abord lire un livre avec les mots-clés LGBTQIA+, amour de soi, diversité, inclusivité. Et j'ai choisi de sortir un livre de Julien Dufresne-Lamy qui s'appelle « Mon père, ma mère, mes tremblements de terre ». C'est un auteur que j'ai découvert avec Joli Joli Monstre. D'ailleurs, si tu l'as dans ta pile à lire, ça colle parfaitement pour cette catégorie également. J'avais eu un coup de cœur, mais alors un coup de cœur de fou pour ce livre. Et je me suis dit « De quoi parle celui-là » Et j'ai lu les deux premières lignes. Dans cette salle, Charlie, 15 ans, patiente avec sa mère. Bientôt, son père sortira du bloc. Elle s'appellera Alice. Donc, je pense qu'on va parler de transidentité. Je pense pas trop me planter en disant ça. Donc, bah, ça rentre parfaitement dans la catégorie. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va être traité. Et j'ai pas trop d'inquiétude parce que dans Joli Joli Monstre, j'avais trouvé l'auteur, enfin le narrateur, la narration hyper, hyper impliquée, hyper engagée, vraiment au cœur de son thème. Ouais, ça m'avait un peu bouleversée, quoi, cette façon de rentrer au cœur et de nous balancer tout son décor comme ça. Enfin bref, j'avais adoré, donc j'espère bien retrouver ces mêmes qualités dans celui-ci. Alors, il nous fallait un livre sur l'écologie, l'anticipation, la science-fiction et le post-apocalyptique. Et là, je ne sais pas comment je justifie d'avoir mis un livre qui n'a rien à voir. C'est terrible, j'ai tellement triché que même moi, je me souviens plus de comment j'ai réussi à faire ça, quoi. Et bah, tu sais ce qu'on va faire, parce que vraiment, il me reste deux livres et ça colle pas. Donc, on va dire que dans la catégorie suivante, où il fallait lire un livre d'écologie, anticipation, science-fiction, post-apocalyptique, je remets un livre que j'ai mis précédemment. Oh là ! Et il comptera pour les deux catégories, c'est-à-dire dans la forêt, puisque on est clairement après une société, une civilisation qui s'effondre, donc on peut mettre ça dans post-apocalyptique. Ça colle et je vais mettre les deux qui me restent dans la dernière catégorie. Donc la dernière catégorie, c'est bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. J'ai mis La vie en chantier de Pete Fromm parce que j'ai très 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 envie de le lire. Où on va parler clairement de paternité, d'amour paternel. Donc je mets ça dans la relation, dans l'amour. Et j'ai également mis La perle et la coquille de Nadia Hashimi. Qui, là devant, c'est écrit « Ce magnifique conte familial reflète à merveille le combat des femmes afghanes d'hier et d'aujourd'hui. » Je ne sais pas si à l'intérieur de ce livre, il y a une notion de sororité, mais en tant que femme, aller m'intéresser et écouter les autres femmes parler de leurs conditions, c'est de la sororité. Donc ça rentre parfaitement dans le thème. Et on est dans le livre en 2007, à Kaboul, les talibans font la loi et comme un malheur n'arrive jamais seul, Riyama n'a pas de frère et son père est malade. Ses sœurs et elle ne peuvent donc en aucun cas quitter la maison, encore moins pour aller à l'école. Et en fait, elle se travestira en garçon, je crois, pour se sauver et sauver sa famille. Et ben voilà, je t'ai présenté toute ma pile à lire. Il y a quand même globalement des romans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 romans et une BD. Donc je ne suis pas sortie de l'auberge sachant que septembre, mais c'est blindé, blindé. Je ne sais même pas si je vais réussir à lire un livre. Et octobre, il y a du taf et novembre aussi. Donc mais vraiment, il y en a plein. En plus là, les avoir présentés, ça me fait toujours ça. Je les présente et du coup, j'ai trop envie de tous les lire. Donc je trouve que j'ai fait une chouette sélection. Pas trop fantastique, fantasy, un peu moins j'ai l'impression dans ce mood peut-être que les années précédentes, puisque j'ai l'impression que j'ai que 3 livres qui sont vraiment axés comme ça sur l'imaginaire. Et ben voilà, je vais continuer à regarder vos piles à lire à vous tous là, parce que j'adore regarder les piles à lire de ce challenge, je trouve que c'est un bonheur. En vrai je les regarde pas, je les écoute dans ma voiture, mais ça marche quand même. Et je te dis à bientôt, peut-être, franchement là c'est un peu chaud pour moi. Allez, bisous.